for that. Ok, aujourd'hui, on va commencer avec une double attaque de jambes pour terminer avec Araigoshi. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce qu'il est difficile d'avoir les deux mains en dessous de ses aisselles, double underhook. Alors, je commence avec une double attaque de jambes pour le forcer à défendre. Et sa défense va me permettre d'entrer en dessous de ses bras et de faire Araigoshi, qui est une projection de range de judo. D'accord, je vais commencer. Je vais venir en dessous avec une double attaque de jambes. Et là, Lopez va essayer de ramener mes mains, de casser mes mains, voilà. Et ce qui permet à mes mains droites de monter aisément en haut. Et ça me permet un corps à corps, un bon corps à corps. Alors je monte. Et là, maintenant, j'ai une bonne grippe. J'ai une bonne prise là. Et avec ça, le revers de ma main là, et je ferme mes mains. Là, je suis plus fort que Lopez parce qu'il est cassé en deux. Et je cours contre la cage. Alors là, ma prochaine étape, c'est de bouger mes jambes. Et là, je place ma hanche juste où il faut. Et si possible, besoin, je vais avancer. Et tout en gardant Lopez contre la cage, je vais balayer ses jambes. Et il va tomber sur son dos. Et là, je peux aisément mettre mon genou sur son abdomen. Et je peux terminer en grand épingle aisément. D'accord, ce sera tout pour aujourd'hui. On a vu une technique qui amène à une autre. Et si vous voulez avoir plus d'informations, venez à la Free Fight Academy sur Vitry-sur-Seine ou alors allez sur le net à freefightacademy.net et vous aurez une panoplie d'autres informations et de techniques. Hang tight.